Bonjour. Shall we swing Balboa intermédiaire? Jao. Sabine. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment surprendre votre partenaire de danse. La première surprise qu'on vous propose, elle se fait sur le pas de base en uphold et on va provoquer une petite pichenette à son partenaire. Sur le 7-8. Sur le 7-8. Donc, pour provoquer cette petite pichenette, à la place de notre hold, on va juste lever notre talon. Donc on vous le montre face à face parce que chacun d'entre nous peut le faire. Je vais commencer et ensuite Sabine va le faire. On vous montre en détaché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est une surprise. Là, ça paraît pas une surprise, mais quand on est en attaché, ça donne ça. Quand on est en position fermée, on est bien en contact avec son partenaire de danse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième surprise, elle va se faire pendant les lollies. La follower va prendre la main. Donc, quand on fait des lollies en rotation, je suis le soleil et Jao est le satellite. Et là, surprise, je vais croiser devant et je vais devenir le satellite et Jao le soleil. Donc, pour arriver à ce but-là, quand je suis dans mes lollies, pointe, kick, pose, point, je vais aller croiser devant, puis croiser derrière, puis croiser devant. Je vais maintenir toujours mon cadre face à mon cavalier et c'est moi qui vais l'emmener dans ma rotation autour de lui. Moi, pour garder mon cadre, j'ai juste à regarder sa bille. En regardant sa bille, je ne perds pas mon cadre. Pour sortir de la surprise, c'est comme pour les lollies, je vais faire un touch au stretch. On vous montre. 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc cavalière, quand je sens la fin de la connexion sur le dos, je vais tout simplement faire step. Step et stretch. Voilà. Bonne pratique.